J スターズビクトリー VS。Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur G-Star Victory VS. Et oui, vous avez le droit au générique d'introduction, enfin. Mais petite surprise aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Bonjour. Voilà, nous sommes accompagnés avec la même personne que pour Badland. Mais sur G-Star Victory, puisque nous avons remarqué que le mode Aventure J était disponible à deux. Et donc là, nous avons attendu trop longtemps d'appuyer sur une touche. T'es doué, très doué. Moi, en tout cas, je trouve que c'est doué. Oui, totalement. Alors, on va tout de suite se lancer dans l'aventure G, hein, si déjà. Alors, cette fois, j'ai réglé le son du jeu, donc normalement, ça devrait aller. J'ai pas dit normalement. Et donc, nous allons continuer, hein, on va maintenant continuer l'aventure J. Et j'ai envie de dire, c'est le jour J. Est-ce que tu peux te suicider pour cette vanne, s'il te plaît? Eh bien non, parce que j'ai une vidéo à faire. Alors du coup, je pense qu'on doit aller à la tour Karine. Ah, bah du coup, il va y avoir la même générique que la dernière fois. Bah du coup, on va pouvoir le passer parce qu'on l'a déjà vu. Genre dans la dernière vidéo. Voilà, donc chute. Oh putain, ça parle de bouffe avec Toriko, quoi. Laisse-leur faire leur vie, non? Je sais pas. Non. Vous n'existez pas! Laisse-les tranquilles! Oh! Il n'y a pas moyen de passer directement. Ouais. Nico, on va devoir marteler le bouton X. Oh! Karine! Qui a pris un E? Oui. Karine ne prend pas de. Oui, mais elle a pris un E là. Putain, les mecs! Ils sont allés jusqu'à 3 dire le prénom quoi. Ouais, donc là, on se rappelle des équipes, hein, c'est bon, on n'est pas con non plus. Enfin, c'est vite dit, mais. Ouais, bah ça, hein. Et je viens de me rappeler que j'avais fait une erreur là, dans la dernière vidéo, parce que j'avais appelé le mec Babubel, alors qu'en fait, Babubel, c'est le petit truc sur l'épaule. Ouais, c'est le fils de Satan. Oui. Babubel. Babybel. Oui, chaque équipe a son bateau, d'accord, même s'il n'est pas de canon. Si nous sommes attaqués, nous combattrons quand même. Waouh. Trop bien. Ah bon, on a direct un combat? Sérieusement? Bah. D'accord, donc en fait là, on peut aller n'importe où sur la mer. Hier pourrait s'être. D'accord. Comment ça? Oh bah sympa. Sympa le mec. Ah, bon, du coup, on va aller à la boule jaune, on va à laquelle? Bah, celle-là qui vient. Hein. Là où le vent te guide. Mais y'a pas de vent. Ah ouais, putain, Nictaras. Ah, bah je pense que je sais qui nous allons attaquer. Bah, on va s'entraîner alors. Bah, entraîne-toi alors. Quoi? Il va attendre à Konoha. Bah ouais. Ça valait le coup d'aller chez Tortue Géniale pour qu'on nous dise ouais non mais en fait faut aller à. Ah on peut changer de dimension carrément. Ouais ça c'est important. Bah t'imagines le jeu quoi. Le jeu tu sais de ouf. C'est Konoha ça. Tu changes de dimension. C'est une école. Non ça c'est là où j'avais retrouvé Hisoka au premier épisode. Ouais c'est une école. C'est ça. Je pense que c'est la Konoha.
Regarde, il y a Zebra et Toriko en grand derrière. Oui. Je veux savoir pourquoi d'ailleurs. Mais pourquoi ils sont à Konoha? Je sais pas, c'est... ils veulent devenir des ninjas. Et donc nous remarquons que Konoha n'est pas si loin de chez Tortue Géniale. Hein. Dans la vraie vie, si. Non. Si. T'as bien vu, on vient de naviguer jusqu'au 2. Alors attends. Comment je fais? Attends, il faut appuyer sur option, c'est marqué. Mais d'abord, faut faire choix des persos, je pense. Alors, est-ce que tu peux venir. Non? Ah, attends, parce que peut-être que c'est moi qui dois appuyer sur option alors. Voilà. Jouer avec deux joueurs. Appuyer sur une touche, j'ai une manette. Donc là, t'appuies sur une touche en fait. Ouais, c'est bon, j'ai cliqué. Et là, tu choisis qui tu es. Donc moi, je vais garder Seiya. Luffy, hein. Tu gardes Luffy? Ouais. Tu peux garder Luffy. Hisoka, on le garde avec nous? Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Bah, là, moi, tu veux prendre Aiz Et en bas, on peut pas toucher, donc c'est parti. Bah, ouais. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi, jeune homme. Attends, t'as fait n'importe quoi. Oui. Donc fais rond, s'il te plaît. Non, ne fais pas rond en fait, fais X. Mais. En fait, t'as inversé les deux, c'est moi le joueur, hein. Voilà. Ouais, c'est bon. Fais X, voilà, fais juste X, arrête de toucher. Mais il faut que je fasse ça. Option. C'est compliqué pour moi. C'est ça en fait. Tu t'avais un peu de lumière dans ta vie. Hein. Perdez contre l'adversaire. En fait, il faut gagner en moins de 250 secondes. Ah! Ça va être compliqué. Ouais. On va essayer, hein. Inch'Allah. Nous ne sommes pas si bêtes, voyons. Mais il parle à qui là? À Seiya. Ah, il parle à son copain. Oui. Il y a un petit OST de Naruto au fond. Ouais, ils se parlent entre eux, ouais. Ok, ça a rien à voir avec ce que je viens de te dire. Hein. Ah, désolé alors. Tu disais quoi? Je disais qu'il y avait un petit OST de Naruto en fond. Ah, c'est possible. Quand il parlait. D'accord, donc moi je me fais Ken dès le début, c'est ça? Là je vise un des mecs, mais je sais pas qui c'est. Ah, c'est Zebra. Mais non, mais prends pas le même que moi, s'il te plaît. Ah, bah c'était bon, je vais prendre Toriko, alors rage pas. Si je me battais depuis avant contre lui. Mais j'ai pas regardé ton écran, je suis pas un tricheur, moi madame. Quoi, un tricheur? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le rapport là? Il y a aucun rapport. On est dans la même équipe, si jamais, hein. Ah bon? Ah merde. Ouais, pareil. Le problème, tu sais, c'est que toi, quand je te donne des orbes, bah, tu fais pas comme Ace, tu vas pas vraiment attaquer. Quoi, moi? Ouais, tu vois, genre en bas, je mets sur cible, mais tu vas pas aller sur la cible. Parce que tu l'as déjà ta cible. J'ai pris la première qu'il me proposait en face, hein. Je viens de découvrir des attaques aériennes. Aïe, aïe. Là, on peut pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut pas partir de Konoha, quoi. Non. C'est triste. Donc on va se passer à Konoha, je te rappelle, hein. Alors par contre, c'est bien beau de vouloir jouer, mais il va falloir gagner dans le temps imparti, il nous reste plus que 3 minutes, hein. Bah, c'est bien mignon ce que tu me dis, hein. Je pense qu'on aurait dû prendre le même ennemi, en fait. Ça sert à rien, parce que de toute façon, il faut les battre deux fois. Ok, donc les filles courent pas assez vite. Ah, burst. Ouh, joli. Je vais faire le tien. Moi, je suis en train de me battre, en fait. Moi je vais me transformer alors. Je te laisse faire ton attaque ultime sans l'utiliser en fait. Quoi? Bah en fait tu as aussi ton attaque ultime et je te laisse la faire parce que sinon je vais l'utiliser pour faire l'arc. Bah tu peux, hein. Ah! Ah bah bravo. Ok. Mais il est où Zebra? Ah là-bas. Et voilà, on a plus l'attaque finale. Ah mais Zebra il se taille. C'est pas marrant. Mais Toriko il commence à me faire chier, hein. Nous avons un combat intense, je trouve, non? Ah, il reste une vie. C'est compliqué là. Il est où Toriko? Non, mais pas invoquer Hisoka. Ah, attends, je pense qu'on aura gagné, mais. T'as invoqué Hisoka, d'accord. Sans vouloir, oui, effectivement. Invoqué. Les combats sont tellement pas épiques, c'est dingue. Les seuls moments où c'est épique, c'est quand on met le burst. Mon gars, Zebra il bouge pas. Ah il là est là. Mort. L'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on vous dit qu'artificiel c'est pas forcément mieux.
Et n'oubliez pas qu'Internet c'est très dangereux d'ailleurs. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Hein. Grâce à Internet. Oh. Again, again. Moi je suis à ce tutoreco avec ton burst. Hein. Ah j'avoue que je peux niquer ton Rico là. Moi c'est vrai je peux pas. Hein. Attends d'abord je me transforme en Super Saiyan. Avec des ailes. Mais non mais je suis désolé mais... Super Saiyan ils ont des ailes. Ouais mais c'est la même transformation j'ai l'impression... Enfin genre l'animation de transformation est la même. Ah, t'as fumé. Et là j'ai même un arc, t'as vu ça? Je suis Cupidon, tombe amoureux de moi s'il te plaît. Oh, ah bah non ça a pas voulu. Il a préféré mourir. Bah en même temps Mais quoi? Je suis désolé hein. Tu vois, je te disais. Tu vois, je te disais. Est-ce que tu as déjà ressenti l'univers en toi? Eh bien, c'est une bonne question. À l'intérieur de toi, pour être précis. À l'intérieur de toi. Oui. Est-ce que tu as bien senti? Ah, Ace, il gagne des niveaux alors qu'il a pas joué. J'aime bien le principe. Si, il a joué indirectement. Non. Si. Il t'aime pas là. Si, il a fait GG. Kit de réparation de navire. Ouais, on va pouvoir réparer notre navire, ce qui ne sert absolument à rien. Terminé. Mais... Ouais, du coup, on va pouvoir en faire une autre, c'était cool. Ouais. Et du coup, on va où là? Alors là, on se dirige vers l'autre point jaune. Mmh. Et vu que c'est des icebergs, je me penche plus vers Dragon Ball qu'autre chose, mais. Je ne sais pas. Ah, bah non, en fait, on va au potager céleste. On va affronter Hercule Poirot. Mmh. C'est qui ces gens? C'est des gens de Toriko. Komatsu, Koku Komatsu. Et Suni. Sony. Ils sont même pas dans le jeu. Non, ils sont pas dans le jeu. Ils sont même pas dans le jeu. J'ai accepté la quête, sans faire exprès. On va aller voir ça de plus près, merci, nous comptons sur vous. C'est une victime. Ouais, non, mais ça se voit à sa tête en même temps. Mais alors, il a des gros nez, il a un gros nez. Il faut aller loin. Là, faut aller sur l'étoile, là, non? Non, parce que l'étoile, c'est le dernier niveau, en fait. C'est là où on doit aller de base. Nous, on fait des quêtes secondaires, en fait. Mais t'essayes de traverser un continent comme ça, toi. Non, mais attends. Avec un navire. Soit t'es un pirate, t'es pas un pirate, hein. Non, mais oh. Pour devenir le roi des pirates, il faut faire des choses que personne n'a fait, tu vois. Ouais. Ah, mais c'est le cas pourquoi tu l'as voulu nous. Attends, à quoi me voir ce qu'ils t'en disent. J'ai l'impression qu'ils parlent pas vraiment des fruits. Non, mais en fait, ils parlent des personnes. Oui, mais. Ouais, d'accord. Ah, bah c'est Alabasta. Alabasta. Quelqu'un approche. Oh, putain, la tête mon de Dieu. Ace. Ouais. Cette coupe afro, c'est Paul de. Quoi? What the fuck? Ah d'accord. D'accord, autant pour moi. Ça arrive des fois. Je sais même pas s'il est dans le jeu lui aussi. Écoute. Tu gardes Luffy ou pas? Ouais, c'est où l'option, c'est ça hein. Non mais c'est bon, tu l'as fait. Hein. Non mais en fait... En fait c'est ça. Ce bouton. Ah. Il s'appelle Bobobo. Bobobo. Oui, c'est Bobobo. Ouais, bien écoute, je vais faire une offense à ma propre vie. Et tu as Seiya, putain, dégage là. Mais non, c'est moi le joueur 2, hein. Oui, mais tu t'étais mis sur Seiya. Non. Si. Non. Tu viens juste de changer. Absolument. Mais j'allais pas cliquer dessus. Les gens dans la vidéo le verront. Mais j'allais pas cliquer dessus. C'est ce qu'on dit. Y'a que toi qui voulais cliquer sur Seiya. Hein. Tu gardes la vie ou pas? Oui. D'accord, donc moi je prends Ace. Et du coup, faut que je clique sur option. C'est ça. Superstar. D'accord. T'as compris, c'est ce qui est marqué à l'écran. Mais nique ta race. Ça va là? Nous sommes à 2-1. De se moquer des gens. Nous sommes à 2-1. Mais il s'appelle Bobobo. Ouais, bah il va nous faire de Bobobo. Ok. D'accord. Ah, lui veut faire quelque chose d'amusant, tu vois? D'amusant. Oui. D'accord, c'est amusant de frapper des gens. Oui. D'accord, tant pour moi, je croyais que... Moi, je suis impatient de retrouver le monsieur en scooter. Nintama. Enfin, Nintoki. Oui, voilà, Nintoki. Putain, mais je suis conne à ce point, là. Ah, il me met des patates, Bobo. Oui, je vois ça, ouais. T'imagines, il a son burst avant nous. Je rigole tellement fort. Je t'en rends pas compte. Je rigolerais tellement fort. Non, évite quand même. Pour le respect de nos auditeurs.
J'ai tellement envie de pleurer parce que en fait là tu vois Ace et Luffy se battre ensemble. D'accord. Et Luffy l'a tenu 2 ans plus tard. Et ceux qui ont regardé One Piece comprennent ma peine. Que Ace est mort, c'est ça? Oui. Spoiler. Putain. Je sais même pas ce que je suis en train de taper, j'étais caché, il y avait le truc qui était caché par les débris. T'es sérieux, t'as volé le kill là? Non, non. Mytho. Bon, c'est quoi la suite là? Je suis en train de chercher l'ennemi en fait. Ah, il réapparaît, d'accord. Bah oui, il a 2 vies lui aussi hein. Merde, j'en ai marre d'appeler Hisoka hein. Marre d'appeler Hisoka pour rien. Dis-moi, je le fais exprès, je me trompe des boutons. Ouais, comme souvent, ouais. Et c'est quoi ton excuse dans Badland? Dans Badland? Je me suis trompé de touche. Je me suis jamais trompé de touche dans Badland. Est-ce que c'est un Genkidama? Alors non. Un Genkidama de feu? Alors non. Bah si. Bon, il est où là? Bah en fait toi. Mais en fait faut que tu réagisses plus vite hein, sinon t'es mort. Hein. Mais vise-le. J'essaye. Tu l'aimes pas ciblé? Rien à foutre, il prend quand même les coups en fait. Ah effectivement oui. Encore? Oh tu as des stress hein. Putain, je te l'envoie. Et c'est moi que t'as défoncé en plus. Mytho. Tu m'as perdu de vie. Mais putain de ta race. Là, c'est dingue comment on joue, c'est Ok, tu fous le feu. Tranquille. Non, non. Go, 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 go. Smogogo. Et qui le défonce? Eh ben, c'est Luffy. Ah, mon gars. D'accord. Ah, ben non, c'était moi. En fait, c'est toujours le personnage du joueur 1 qui apparaît, t'as pas compris, hein. Je sais pas. Espèce de banane, peluche. Tu as des stress, ok? Oh. Est-ce que tu penses aux bananes qui nous écoutent? Y'a pas de banane. Qu'est-ce que c'est? La seule banane que je vois, c'est toi. Mais... La piste des poils de nez. D'accord. La piste, hein. C'est ce que j'ai dit. D'accord, j'ai entendu la pisse, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Ok, bisous, hein. Est-ce qu'on va à l'étoile rouge ou... Ah, la Basta. Moi, je sais pas, moi. Mais je te laisse choisir. Bah, fais ta vie, hein. Le triangle des Bermudes, l'autre dimension ou ta mère, la pute? Ou l'étoile rouge? Bah, l'étoile rouge, alors. Ok. Bah, go à l'étoile rouge, alors. Qui se trouve ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Le bateau s'est arrêté. C'est exactement ce que Ace se demande. Regarde là-bas, quelqu'un qui marche sur l'eau. Jésus. On dirait qu'il y est pour quelque chose. Surprise, c'est le pouvoir de l'onde. Putain, mais c'est qui ça? Hein, t'es qui toi? Oui, j'avoue, t'es qui? T'es qui là? C'est qui ça? Joseph. C'est Ah, c'est le père de Jésus. C'est Joestar. Non, c'est Joseph Joestar. Il y a écrit Joseph Joestar. D'accord. Désolé de sauter les présentations, d'accord. J'ai bugué. D'accord. En garde, Joseph Joestar. Tant de virilité dans ce nom. Bah tu dois jouer tout seul là. Ah, c'est pas mal. Bon, tu as une sale gueule, Joseph. Hein. Mais laisse-le tranquille, mon gars. Ouais, mais il a une sale gueule. J'ai même pas le droit à un personnage de soutien. C'est un 1v1 là. Putain, je pue tellement la merde. Moi, je vais essayer de faire vite alors. Mais Joestar, c'est pas un personnage. Je joue à Bizarre Adventure. Je sais pas. Ça va être marqué au-dessus, regarde. Non, c'est autre chose. T'es sûr? Bah, regarde le logo. On regardera après si tu veux. Les dessins, ça ressemble vachement. Hein. Bah, je sais pas. Bon, bah, cette partie coop se transforme en partie solo, tout va bien. Oh, il a des mitraillettes! Kalash, kalash. Et moi, j'ai Pégase. Mais arrête ça! C'est un personnage de jeu bizarre, non, tu vois. D'accord, bah si tu le dis, je crois. C'est bien ce qui me semblait. Bah je n'ai rien dit alors. Hein? J'ai rien dit alors. Je sens que je vais perdre, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'il défonce pas mal. T'arrives même pas à sauter, mon gars. C'est pas ma faute, ok? Chacun ses petits problèmes paraplégiques. Dans la voiture. Ah non, même pas. Ah bah si, pas voiture. Je m'en fous, j'ai une Twingo de secours.
C'est un petit peu la galère quand même. Allez, il lui reste plus qu'une vie, génial. Où es-tu ? Joseph ! Joseph ! Mais non, mais me tire pas dessus ! T'as cru que j'étais noir ? Et qu'on est en Amérique ? Ça serait peut-être que je finisse mes blagues avant de les commencer, parce que sinon ça paraît un peu méchant. Ouais, tu dis ça à cause de Trump ? Pas seulement en fait. Et donc pourquoi tu me tires dessus parce que t'as cru que j'étais noir ? Ça peut paraître raciste au premier abord. Et bien après tu rajoutes, t'as cru qu'on était aux États-Unis ? Et là tout le monde comprend qu'en fait c'était une vanne par rapport à des choses qui se sont passées qui ne sont pas drôles. Mais sur lesquelles nous pouvons faire de l'humour puisque nous n'avons aucun respect. Actuellement je me fais défoncer la gueule. RIP. On remarquera qu'il n'y a pas énormément de personnages de manga qui sont d'ailleurs noirs de peau. C'est pas, si, pour y a c'est pas pour dénoncer grand chose. Il est pas vraiment noir de peau. Hein. Si, il est noir. Pas noir noir. C'est hein. Du rap. D'accord, c'est raciste, hein, tu sais. Yo. Attends, je suis en train de réfléchir à des personnages de manga noirs. Bah, c'est-à-dire noir de peau, parce que sinon je peux te sortir, comment il s'appelle, le prof d'Assassination Classroom là. Sinon, il y a lui, il y a les holos dans. Les holos dans. Non, mais je te parle des vrais noirs. Ah, et de personnages gentils en plus, ce serait bien. Parce que là, entre le mec d'Assassination Classroom et les holos, il n'y a pas vraiment de gentils. Il y a un personnage dans Solitaire qui est noir. Ah ouais, ouais. J'ai pas regardé Solitaire. Bah, tu devrais. Bah, je sais, je sais. Et ouais, j'ai terminé, on peut rejouer ensemble. Pas dans ce sens-là, non. Non, mais d'accord, ça, j'avais compris. Ah, il est retombé à quatre pattes. Putain, arrête de vouloir faire ressentir tout l'univers à tout le monde là. Tu es dégueulasse, Seiya. Mais j'aime ça. Saint Seiya. Saint Seiya. Oh putain, mais ferme là. Ah là là, j'aime le jour. Je suis désolé, hein, vous pouvez l'insulter si vous voulez. Un tremblement de terre. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois, du coup. Ouais, on va rester là-dessus. Écoutez, c'était Pandora's Box. On se retrouve la prochaine fois sur G-Star et en aventurgie. Soit en coop, soit en solo, on verra bien. Allez, petit tour de bateau et puis on arrête ça. Il y a pas mal de tours de bateau, ouais. André, tu fais du jet ski. Salut tout le monde.